Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et si aujourd'hui je suis là, c'est que vous m'avez demandé le fichier que j'ai filmé sans savoir si j'allais vous le publier de comment j'ai fait la structure de mon mini-album de l'été. Alors, je fais cette intro et après je vais vous mettre le fichier. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé le mini-album qui se trouve dans le i là. Tada ! Donc pas comment j'ai fait le mini-album parce que en soi le mini-album ce n'est qu'un triplano avec des feuilles lambda et en fond et au-dessus une feuille avec du carton. Mais sinon je vais vous montrer comment j'ai réalisé la boîte et la structure, enfin la boîte oui, et puis la couverture on va dire, voilà. Donc j'avais filmé ça quand j'ai fait mon album, donc je pense que comme vous me l'avez demandé, ben voilà, comme je savais pas si j'allais oui ou non vous faire un tuto parce que je trouvais ça facile, mais que vous me l'avez demandé, et ben je vous le mets, voilà. Ben, sur ce, je vous laisse avec le tuto, et puis on se retrouve très bientôt. Donc pour faire le mini-album, on va avoir besoin de carton gris. Donc celui-là, il ne fait pas 2 mm, mais il fait 1,5 mm. Donc quand je ferai la reliure, ça compte. Ça compte, ça compte. Et donc ça fait sont des carrés qui font 14,5, donc 2, et un qui fait 4 cm sur 14,5 pour la tranche. Donc ça, je vais le recouvrir de papier blanc au départ. Et ensuite, à l'intérieur, je vais faire une boîte. J'ai déjà préparé mon papier. Alors, sachez que ma boîte fait exactement la même taille que mon carton. Je vais essayer de faire ça bien. Vraiment, je vais essayer de faire ça bien. J'avais pas envie qu'il y ait un espace entre le carton et la boîte. Donc vraiment, tout est normalement à la bonne dimension. Et j'espère que quand je vais monter le truc, ça va être pile poil nickel comme je l'avais imaginé. Croisons les doigts. Donc c'est parti. Alors je recouvrirai ça après, mais je vous explique la boîte comment c'est. Donc la boîte, je ne me rappelle plus exactement combien elle fait en centimètres, mais bon, vous prenez, là moi j'ai pris une feuille de papier A3 puisque elle fait plus de 30 cm. J'ai pris un papier A3 et donc vous prenez un papier A3, vous faites un premier pli à 14,5, un second pli à 4 cm, un pli à 14,5, un pli à 4 cm, et là j'ai laissé 5 cm, donc j'ai pris 42 cm. 14,5 et 14,5, ça fait 29, 29 et 4, ça fait 33, 33 et 4, ça fait 37, 37 et 5, ça fait 42. Donc voilà, c'est une feuille à 3. Donc si vous n'avez pas de papier A3, n'ayez crainte, vous pouvez faire quand même cette boîte puisque dans la largeur elle fait 26,5. Donc vous prenez une feuille A4, 26,5, et vous coupez un premier morceau qui fait 23,5. Vous faites un pli à 5 cm, un pli à 4, un pli à 14,5. Enfin vous coupez à 14,5 plutôt. Donc vous faites un pli à 5, un pli à 9 et vous coupez à 23,5. Ensuite dans ce sens-là, vous faites un pli à 2, un pli à... Hop là, un pli à 6, un pli à 20,5, un pli à 24,5 et vous coupez à 26,5. Donc comme ça vous aurez un carré comme ça, puis vous enlèverez les parties qui sont ici là. Hop. Et pour le rejoindre là, vous n'avez qu'à faire un morceau qui fait 20,5 sur 18,5. Oui, sur 18,5. Donc je vous ai dit combien? 20,5 sur 18,5. Et vous faites un pli à 14,5, un pli à 18,5 et vous aurez 2 cm de pâte de collage que vous collez à l'intérieur du carré de la boîte là. Et en haut vous faites un pli à 2 cm et un pli à 2 cm et vous enlevez le surplus en bas ici et ici. Voilà. Sinon si vous avez comme moi un morceau de papier
en format A3. Vous coupez un morceau qui fait 28 cm, ça y est, j'ai déjà perdu, 26,5 sur 42, et vous faites un pli à 5, un pli à 9, un pli à 23,5, un pli à 27,5 et le reste du papier. Et dans le sens là, dans le sens de la largeur, vous faites un pli à 2, un pli à 6, un pli à 20,5, un pli à 24,5 et à 26,5, vous coupez. Voilà. Et ici, vous laissez 2 cm de lettres. Normalement, on coupe ces parties-là, là, qui sont ici. Donc tout ça, là, j'ai coupé. Hop, ici aussi, là. J'ai aussi coupé tout là. Sauf que là, j'ai laissé 2 cm de pâte de collage. Voilà. Et là, j'ai coupé toute la bande. Voilà. Donc, je vais le coller, vous allez voir, du coup en collant, je colle les petites ailettes sur le côté là, pareil de l'autre côté, comme ça, et je pourrai avoir une boîte comme ceci avec un couvercle et un rabat. Cette boîte ira comme ceci, dans ce sens là ou dans ce sens là, je ne sais pas encore, quand mon album sera ouvert, hop là, ça comme ça. Donc je ne sais pas encore dans quel sens je vais la mettre, si je la mets dans ce sens là, ou si je la mets dans ce sens-ci, je pense plutôt peut-être dans ce sens-là quand même. Et après on aura donc la couverture de l'album. Là, normalement c'est vraiment, je vous jure, j'ai fait 14,5, hein, donc j'espère que ça va passer. Si je vois que ça passe pas, je rallongerai le carton, hein, je me couperai une autre structure de carton. Mais voilà, donc, attendez, parce que j'ai peut-être déjà quelque chose qui est un peu plus grand. J'ai un carton qui fait 15. J'ai un carton qui fait 15 et 2 mm d'épaisseur. Alors, il fait 15 sur combien? 15 sur 15. Bon, vous savez quoi? Je ne vais pas jouer avec le feu. Je vais utiliser ma cartonnette qui fait 15 cm. Comme ça, j'aurai un demi centimètre de... C'est pas beaucoup, hein. Un demi centimètre, c'est pas beaucoup. Un demi centimètre de plus... Voilà, et peut-être que ça jouera en ma faveur. Donc prenez plutôt alors du coup les trois cartons qui font 15 par 15, 15 par 15 et 4 par 15. Bien 4, coup de bol. Hein. Du coup cette cartonnette là, je la mets de côté pour peut-être un futur mini-album. Mais voilà, donc je vais utiliser cette cartonnette, ça sera plus raisonnable. Et c'est du 2 mm, donc quand je ferai ma couverture là, je prendrai bien le côté 2 mm de mon outil à reliure. Voilà, donc je vais vous faire ça en accéléré, là, la couverture avec le papier blanc et le collage de ça. Puis après, je reviendrai vers vous pour qu'on couvre le tout. Donc on est parti, on va coller la boîte. Donc je vais coller en fait les petites ailettes que j'ai coupées de biais. Donc on va coller les deux petites ailettes sur les rebords qui iront à droite et à gauche de la boîte, et ensuite les deux derniers, les grands là, on les collera aussi sur la partie supérieure de la boîte. Vous allez voir, c'est très très simple, on colle, on met de la colle, on applique le papier dessus et on attend que ça prenne, et ça prend très bien avec la colle Nuvo. Voilà, ici je vais vous le dire tout de suite, mais j'avais peur que quand j'ai fait la fermeture japonaise, en fait, qu'avec le poids, quand on appuie en fait avec nos doigts, s'enfonce le dessus de la boîte. Du coup, à l'intérieur, j'y ai glissé un autre papier, pareil, le même papier blanc, donc c'est du DCP 250 grammes, et j'ai remis une petite couche de papier, voilà, à l'intérieur, comme ça, on ne le voit pas. Sur le devant de la boîte. Je ne sais pas si je l'ai laissé en vidéo, c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est couvrir la boîte. Donc, je vais prendre une feuille de papier et je vais la couvrir directement. Et je vous reviens quand on fait la fermeture japonaise.
Thank you.
Donc voilà, vous voyez, la boîte, elle va donc être avec ce papier-là, le même papier à motif que ce que j'ai fait l'intérieur de la couverture. Donc avant de coller le petit bout de papier sur le rabat supérieur, je vais découper avec une perforatrice ronde un petit rond. Prenez la perforatrice, une petite perforatrice, pas un tout petit rond, mais un rond un petit peu gros. Je ne sais pas exactement combien fait le mien. Ben, je l'ai pris, voilà... J'en ai pas beaucoup des perforatrices, donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Il vous faut donc un rond, il vous faut deux attaches parisiennes, un perce-papier. Vous allez percer le rond au centre, le rond blanc au centre. Vous allez percer votre papier à motif au centre aussi. Là, moi j'ai essayé de centrer au maximum. Hein. Et ensuite vous allez mettre votre rond, enfin, votre disque de papier blanc au milieu. Et vous allez attacher le tout avec une attache parisienne. Et vous faites ça aussi sur la deuxième partie. Donc c'est le papier qui recouvre le dessous de la boîte là. Vous faites pareil. Vous regardez à peu près où vous voulez que la fermeture se fasse. Vous faites un repère avec un crayon à papier. Vous percez le papier. Vous percez le disque de rond blanc. Vous insérez une épingle, enfin une attache parisienne, et ensuite vous pouvez coller. Comme ça, en fait, notre fermeture est cachée, on ne la voit pas, et ça tiendra bien, en fait, avec la colle qu'il y a derrière. Donc là, j'avais perdu mon perce-papier, donc je prends mon compas, j'essaye de me centrer, vous voyez, j'essaye vraiment, j'y suis pas forcément arrivée du premier coup, mais voilà, je me centre et j'applique le tout. Donc là, je vais prendre de la ficelle blanche, je vais faire un premier nœud. Ensuite, je vais remonter la ficelle à l'opposé, enfin en haut, vous allez voir. Hop, je fais mon nœud. Je prends la ficelle, je fais un autre nœud. Je passe dessous. Et voilà, là on aura du coup la ficelle pour attacher notre enveloppe type japonaise, je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Depuis tout à l'heure je vous dis ça, mais je crois bien que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc on applique la colle et on fait exactement de l'autre côté, sans mettre de ficelle, puisque c'est cette ficelle qui pendouille là, qui va nous servir d'attache. Donc bah, je vous laisse avec la fin et je vous retrouve quand c'est terminé.
Donc voilà, la structure est terminée. Donc si vous, je vais vous faire une outro, mais je ne sais même pas si je vais publier cette vidéo. Bref. Donc voilà, la structure de mon cache mini album est terminée. Donc je voulais le recouvrir au début avec un papier comme ça, mais je ne l'ai pas fait. Je garderai ce papier pour des pages dans l'album. Sinon, la couverture, j'ai utilisé un tampon texte florilège, les die cuts de la collection, un badge de la collection. Voilà, il y a marqué Summer avec une tranche de pastèque. J'ai enlevé la mousse qu'il y avait derrière et j'ai collé avec de la glue sur le côté. J'espère que ça va tenir. C'était trop épais sinon avec la mousse. Voilà. Sur le côté, j'ai fait un trou avec un œillet plat. J'ai mis une petite breloque, j'ai mis donc un appareil photo et deux petits bonbons, un noir, un rose pour que ça ressorte. Donc l'arrière est blanc et quand on l'ouvre, ça fait comme ceci. Donc à droite, on a la boîte qui s'ouvre très bien. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, je l'ai renforcée avec un papier blanc DCP à l'intérieur, voilà. J'avais peur qu'en fait ça s'enfonce trop quand je ferme avec le bouton là, mais non, c'est bon. Désolée pour le bruit. Donc là, il y a l'œillet. Et là, j'ai fait une petite déco. Alors, j'ai redimensionné une carte de la collection. J'ai mis un petit géotag encore sur la France, la petite voiture et le destination. Et j'ai mis Manguelon 26. Donc, puisque mes enfants sont partis en vacances dans un camping à Manguelon dans la Drôme. Voilà. Et il ne manque plus que le mini-album à faire. Mais ça, je vous ferai pas de tuto hein, parce que ça va être un album juste avec une reliure triplano. Bon, je vous raconte ça, mais ça se trouve, je vais même pas vous montrer cette vidéo, mais bref. Donc j'espère que ça vous aura plu pour cette structure qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Et puis, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.